professionnel de santé, la prise en charge d'une personne par télémédecine nécessite de réunir plusieurs conditions. Après avoir informé la personne sur les modalités de sa prise en charge et sur ses droits, les règles relatives au consentement doivent être respectées. L'acte de télémédecine requiert plusieurs consentements. À l'acte de prise en charge par télémédecine, à l'acte médical, au traitement des données à caractère personnel, à l'échange et au partage d'informations. Le professionnel de santé s'assure que son patient a bien consenti de façon libre, spécifique, éclairée et univoque. En pratique, comment attester que les quatre conditions sont réunies? De quelle façon recueillir le consentement? Le service juridique de Pulsy est à vos côtés pour vous fournir l'information dont vous avez besoin pour respecter le consentement de l'usager lors d'un acte de télémédecine. Vous êtes une structure de santé? Les experts de Pulsy apportent des réponses concrètes à vos questions juridiques sur la e-santé. Pulsy permet une prise en charge des usagers dans les meilleures conditions. Rendez-vous sur la plateforme e-learning pour accéder à des fiches juridiques pratiques relatives au numérique en santé. Avec Pulsy, trouvez les bonnes informations au bon endroit et en toute simplicité.